Judée. Dépouillez-les. Prenez leurs chevaux. Des Templiers ont été massacrés ce matin à nouveau. Une véritable hécatombe. Le fait nous a été conté par le seul homme qui ait survécu. Toi seul peux retrouver leur chef, Thibault. Tu connais le désert mieux que quiconque parmi nous. Je n'ai nul désir de capturer le scorpion. Je ne suis qu'un chevalier. Je ne te le demande pas, Thibault. Je te l'ordonne, amène ici le scorpion de Judée afin qu'il soit jugé. As-tu vu un homme passer par ici? Selem. Un chauve-scorpion. Là. Poche était dans ce mal-là. Il dit qu'il n'a vu passer personne. Voilà deux grandes journées que nous chevauchons. Et sans trouver la moindre trace de lui. Le vent les a toutes recouvertes. J'ai grand hâte de châtier ce brigand. Il a tué mes hommes et il a volé notre or. Ce bandit n'en veut qu'à notre or. Il résonne comme un Templier. Pourquoi dites-vous ça? Les Templiers sont devenus riches et puissants grâce à l'or et aux richesses qu'ils ont dérobées aux pèlerins. Ils ne sont pas différents de ce bandit. Et quel cas faites-vous donc de la vie des Templiers tués par le scorpion? Nous passons la nuit ici. Je pars en reconnaissance. Contre-ordre. Le suivant, Thibault. Ainsi, nous les avons enfin trouvés. Oui, Cédric. J'ai bien peur que oui. Les Templiers! Hayel Gildan! Forêt! Forêt! Ils ont tout de même massacré une bonne centaine de Templiers. C'est juste. Nous ne sommes ni juges ni bourreaux dans cette affaire. Il y a des femmes et des enfants dans ce camp, des innocents. Qui ce soir seront peut-être des veuves et des orphelins. Ceux justement que je me suis juré de protéger. Ah, mon vieux Blanchot, comme je souhaiterais être bien loin d'ici. Venez, mes frères! Vous avancez pas ici! Vous, par là, avec moi! Soyons prêts à accueillir ces chiens! Suivez-moi! Faites brûler tout le camp!
Cet homme doit être conduit au roi. Sain et sauf. Attachez-le solidement. Ne touchez pas à mon père! Lâchez-le! Lâchez-le! Ne touchez pas! Je le connais. Je le connais bien. C'est le comte de Morlaix. Oui, je suis le comte de Morlaix. N'êtes-vous pas surpris de voir que nous sommes de même race? Comme vous, je suis chevalier. J'ai été armé par le roi Foulque en personne. Tu es un traître et un meurtrier. Je vole aussi. Mais je vole uniquement les riches. Tandis que vous, vous vous appropriez le bien des pauvres. Tu n'es qu'un menteur. Alors où votre ordre a-t-il pris de telles fortunes? Les Templiers n'existent plus. Cet habit que vous portez n'est qu'une façade destinée à cacher aux chrétiens naïfs le marchand qui est dessous. Silence! Tu vas être jugé sur l'heure pour trahison, pour pillage et pour meurtre! Vous n'avez pas le droit! Il ne saurait être question de jugement. Vous n'avez pas le droit. Nous devons l'amener au roi. J'accepte d'en être responsable. Et pas question! Je dois vous prévenir que je me serais évadé bien avant que vous ayez atteint Jérusalem. Vous ne vous évaderez pas. En route. On emmène seulement les prisonniers. Tu vas te taire, toi! Rendez-leur leurs chevaux. Oseriez-vous prendre leur défense contre notre roi? Le roi n'a donné ordre ni de torturer ni d'affamer les prisonniers. Fort bien. Mais si le scorpion vient à s'échapper, je vous en tiendrai seul responsable. Détachez les prisonniers. Et qu'on leur rende leur monture. Quoi que vous puissiez faire ou dire, la moindre occasion de m'évader, je la saisirai. Blanchot a mission de veiller sur votre père. Mon père est l'homme le plus brave que je connaisse. Mais c'est un bandit. Vous jugez et vous condamnez sans savoir. Tu as raison, Blanchot. Le tombeau de notre Seigneur Jésus est devenu un lieu de commerce. Le prêtre trafique au lieu de prêcher l'évangile. Le marchand est devenu un voleur. Et le voleur, un lâche. Oui, c'est bien vrai. La Sainte Croix et le Christ Jésus sont bien oubliés. Seul compte aujourd'hui l'or, les richesses, les châteaux, tout ce que l'homme amasse sur la terre. Et ce sont les mêmes hommes, pourtant, qui furent des lions jadis. La vie était belle alors, ardente. T'en souviens-tu? Eh oui.
Celui que vous appelez le scorpion de Judée, que votre justice va condamner, est un homme qui m'a recueilli comme sa fille. Il accueille tous les malheureux et les déshérités. Il les protège. Il les nourrit. Oui, en tuant et en volant. Il n'a pas le choix. Quand je songe qu'ils vont me pendre, triste fin pour un chevalier. Je mourrai sans regret, car en mon âme et conscience, je n'ai jamais brisé mon serment de chevalier. J'ai toujours protégé ceux qui en avaient besoin. Et même ceux qui ne parlaient pas ma langue, ceux qui n'étaient pas de ma race. Mais je puis t'affirmer une chose, jamais ils n'arriveront à me pendre. Écoute. Oui. Lui, il n'a ni terre ni fief. Mais je donnerai ma vie pour qu'il soit libre. Le scorpion! Le scorpion s'est échappé! Il s'est échappé! Il a fui. C'est votre faute, Thibault. Maintenant, je comprends pourquoi tu me parlais. C'était pour lui laisser le temps de s'enfuir. Non, je vous le jure, je ne savais pas qu'il partirait cette nuit. Je voulais seulement que vous sachiez qu'il n'est pas un bandit. Ah. Je peux vous aider? Donne-moi ça. Je vous en prie! Je vous en prie, laissez-le partir! Non. Anissou, tu ne peux pas comprendre. Thibault, entre votre parole et la vie de votre prochain, vous sacrifiez la vie. Et vous appelez ça l'honneur. Je plaiderai votre cause auprès du roi. Je ne peux pas faire plus. Je jure que je recommencerai, Thibault, et vous ne me rattraperez plus. Jamais je ne verrai votre monarque. Thank you.
Les Égyptiens. Halte! Il faut protéger les prisonniers. Vite, déliez-moi que je puisse combattre à vos côtés. Nous allons les prendre à revers. Ne le déliez pas, il va fuir. Vite à cheveux, Blanchot. Rompez les prisonniers! Vous avez eu tort, Thibault. Il s'enfuit. Vous ne pourrez me poursuivre. Adieu, Blanchot. Mon ami. J'ai dû voler, j'ai dû piller, j'ai dû tuer aussi. Pour protéger tous ces malheureux, pour que la faim ne déchire pas leurs entrailles. Il est possible que j'ai fait erreur. Mais les mobiles, j'en ai la certitude. C'était bon et juste. Je vous les confie pour protéger la... Thibault. Il a réussi à échapper à la justice du roi. Là où il est, personne ne pourra le rejoindre.